nom d'un petit Storm Strike en mousse, c'est revenu. Hein? Nom d'un grand Storm Strike en mousse, il y a de nouveaux guerriers. Les amis, mise à jour, Akedo, Watt, Slitter, et puis un gros machin. Oui, on sait. Akedo a enfin été remis en ligne tout à l'heure. Il y a des tonnes de nouveautés, notamment ce truc qui n'a franchement pas l'air très commode. Pourquoi je suis le dernier à être au courant? Vous voyez, c'est pour ça que je dors pas la nuit. Attendez, vous savez ce que ça veut dire s'il y a de nouveaux guerriers? Et en route pour le marché! Il y a de nouvelles quêtes annexes et de nouveaux guerriers. En plus, avec ce que Ward a fait pendant la mise à jour, les guerriers buggés sont autorisés maintenant. Oui, d'ailleurs... Il a fait quoi, au juste? Aucune idée, mais j'ai l'impression que Chuck, Tailwhip et Shreddy ont aussi eu droit à des améliorations. Attendez un peu de voir le nouveau look de Tailwhip. Je peux vous dire qu'il est mortel. Voici le nouveau guerrier qui explose des guitares, fait hurler le métal et trembler ses adversaires, Puncher! Il est le maître éternel de la légendaire flamme immortel! Voici Fantomous! Il y en a tellement! Queen Shiver, Cro-Mag, Madame Furball... Ah, c'est magnifique! Ah, je savais pas qu'il était du genre à aimer les licornes. Avec lui, vous allez découvrir toutes les douleurs de l'arc-en-ciel. C'est Power Core! Encode? Je l'ai vu pendant la mise à jour. Les amis, vous ressentez ça, vous aussi? C'est eux, c'est les gros, les guerriers géants! Ils apparaissent au hasard dans le jeu. Et tout le monde veut être le premier à se battre contre eux. Parce que si on les bat, on peut les garder. Oui, enfin, apparemment, il n'y a que Ward qui a réussi à en battre pour l'instant. Pff, ça va, c'est un gros guerrier, alors c'est pas la mort. Il doit pas être... si... balèze... Donc. Cub! Nom d'un petit ours en peluche qui déchire encore plus qu'avant. Je vais le câliner si fort qu'il va s'étouffer. Cub, t'as pas utilisé Shreddy depuis qu'il a été amélioré. T'as vraiment l'intention de te frotter à ce truc? T'en fais pas pour moi. Plus ils sont gros, plus ils tombent de haut. Tour de tombe maintenant! Bon, d'accord, il est peut-être aussi balèze qu'il en a l'air, mais sans doute pas aussi balèze que ta nouvelle autopsie circulaire. Viens voir, Shreddy! Je veux pas voir ça! Ça chatouille tout! Petit nounou sans pluie est rigolo. Son armure est trop forte, ça ne lui fait quasiment rien. Ah, ça veut dire qu'on va devoir le frapper encore plus fort, Shreddy. Donc on a marre de petit nounou sans peluche. Donc démolis l'ourson. T'as dit qu'ils étaient forts, c'est vrai. Mais là, c'était encore plus que ça. Il n'était pas turbo ni buggé, il était... géant. Oui, c'est exactement ça. On a de la chance qu'il ait débarrassé le plancher après t'avoir tonké. Ah, ouais. C'était marrant. Les sélections pour le grand championnat sont dans quelques semaines à peine. Alors allons nous entraîner pour qu'Akedo puisse découvrir le tout nouveau guerrier surpuissant, Epic Shreddy Bear. Et n'oublie pas Epic Chuxley. Oui, et Epic Tailwhip aussi! Je vous l'avais bien dit qu'il était mortel! Nunchaku Fumi! Avec cette nouvelle victoire, Jet n'est désormais plus qu'à quelques matchs des phases qualificatives finales
pour le championnat international d'Aikido où s'affronteront les plus grands joueurs du circuit. Vous imaginez? Ce sera nous dans quelques semaines. Et maintenant, c'est Ward également dans la course au championnat qui aplatit son adversaire grâce à son tong géant qu'il est curieusement le seul à posséder dans tout Aikido. Et comme je l'avais promis, si je parvenais à remporter ce combat, vous êtes tous invités à célébrer la victoire chez moi. Et comme je l'ai promis toute la semaine, nous, on va aller faire un petit tour à sa soirée de victoire pourrie. Yeah! D'ailleurs, si j'en crois les rumeurs sur le Cubnet, il se pourrait qu'il ait invité un guest mystère. Vas-y, Sinfire. C'est pas du tout mon truc, ça. Je préfère mon nouveau guerrier, Puncture. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Trop hardcore! Je disais pas ça pour la musique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où Ward a trouvé son géant. Allez, venez! Cub, comment t'as... Disons qu'avec le Cubnet, j'ai deux ou trois relations. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour notre talentueuse tête d'affiche de ce soir. Le seul, l'unique... Damien Ward. Wouhou! Ward? C'était lui, le fameux guest mystère? Je veux voir tout le monde danser et tout de suite. C'est un ordre! Et toi, la superstar, ils t'acclament tous et te trouvent génial. Mais sont-ils seulement sincères? En seraient-ils de même sans paye? Bah quoi? Il saura jamais que c'est moi de toute façon. Vous m'expliquez ce que vous fichez ici? Et arrêtez de danser, enfin! Oh! Vous allez me dire que vous êtes venu pour la musique? Oh, alors, vous resterez bien pour le rappel, non? On va régler ça en combat! Guerrier musicien seulement! Compris? C'est d'accord. Puncture assure à la guitare. D'être vrai, c'était batteur avant de passer zombie. Quant à Tail Whip, il manie carrément la basse comme une rockstar. Voyez-vous ça? Eh bien, Screenshot, lui, a été conçu avec un jeu de danse intégré. Hyperlock est tout simplement un maître dans l'art de la danse du robot. Et personne n'a plus de rythme et de précision que Powercorn. Que la fête commence! Toi là, j'espère que t'aimes les bains de foule, tas de ferraille. Fais gaffe, Bria. Celui qui gagne cette manche remportera aussi le combat. Super Bria Ultra Suprême Attaque de Licorne Super Sonic. Go, 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 go. Power Tu n'es pas alerte et concentré, et jamais tu ne pourras évoluer! Non, c'est pas possible! C'est moi qui aurais dû gagner! Ne les laissez surtout pas s'enfuir! J'ai droit à ma revanche! Mon grand, mets le paquet! Pas mon vieux, c'est pas le tout, mais je me ferais bien un petit pogo, moi! C'était juste beaucoup trop cool! Certes, mais on n'a strictement rien appris des géants, par contre. Il se peut que ça nous pose problème quand on atteindra les phases finales. Ouais, mais faut voir le positif, on a quand même réussi à sortir et à échapper à ce concerto bien pourri. Mon cœur saigne. Prêt pour le solo? Cub? On dirait bien que tu n'as pas trouvé de géant à la citadelle de givre de Cold Spike.
Bon, bah tu peux rayer Cold Spike de la liste des quêtes annexes à faire. Je n'ai rien trouvé dans le manoir de Madame Furball non plus. Enfin, rien à part des chats. Des tonnes de petits chats. Rien dans la forêt noire d'Alpha Wolf et dans le gouffre du tourment de Stilfang, ni sur les dunes de la ruine de Craniox. Sans oublier le labo de Doc Shock. Ah, je comprends pas. Sur Cobnet, tout le monde dit que les chances de trouver un géant sont bien plus grandes dans une quête annexe. On n'a qu'à essayer la suivante tous ensemble. C'est le vaisseau pirate de Plunderfoot. Yeah! Bienvenue à bord, Marado Douce. C'est un trésor que vous êtes venu chercher, alors il va falloir que vous trouviez la clé de ce satané coffre. Non, en fait, on cherche plutôt un géant. Pour trouver la clé, il faudra utiliser mes canons pour vous propulser sur l'île de la mort presque assurée. Ramper entre les crabes mangeurs d'hommes et les cactus éternels, passer au-dessus de la lame bouillonnante et escalader les cimes glissantes de la perdition. Oh, il doit y avoir un truc trop cool dans ce coffre au trésor. Allez, en route, allons chercher la clé. Yeah. Et quand vous aurez mis la main sur le trésor, je vous montrerai comment arriver jusqu'au géant. J'ai... Mille sabords, je vais vous délester de la clé, gibier de Cayenne. Quoi? Mais on a pris des risques pour l'avoir. Oui, et moi je veux voir le trésor. Hé! Hey. Mais il vous reste une dernière épreuve à surmonter. Vous allez devoir nous vaincre, moi et mon équipage, dans un combat. Mon navire, et c'est moi qui fixe les règles. Un split strike pour gagner. Et pour y arriver, vous n'avez qu'une seule minute. Et c'est moi qui choisis qui va combattre. Hell Whip contre Fantomou. Freddy Bear contre Okun. Et toi, graine de Scorbut, tu vas te battre contre moi. Avec Wartime, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça c'est une longue histoire entre lui et moi. Il se pourrait que j'ai abandonné Wartime sur une île déserte sans lui laisser de crème solaire. Et prêt à l'abordage, Split Strike. Attention, vous n'avez pas beaucoup de temps. Le temps ne cesse de s'écouler. Les flammes fantomatiques sont éternelles. Ouf. Ah. Oh. 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 Oh, désolé, Wattai. Je sais que tes coups de soleil te font mal, mais on a besoin que d'un seul split strike. Ça ne doit pas être si dur. Nouvelle règle, seuls les coups circulaires sont autorisés. Quoi? Sur ordre du capitaine. Yeah. Oh. Oh. Nouvelle règle, battez-vous toute plastique en le pont. Extra brille, bord bleu. Maintenant, dansez la gigue, Marado Douce. Et échangez d'armes avec votre ennemi. Oh! 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 Yeah. Oh! À deux pieds! Oh! Oh! Le temps est presque écoulé, flibustier! Dépêche-toi, Jet! Yeah. Ah. Yeah. Ah. Ces pièces ne sont pas de vulgaires écus en chocolat, jeune corsaire. Montre-leur, Scratch. Waouh! On a gagné un Scratch à tronc géant. Oui, mais il faut partager le butin avec les membres de l'équipage. C'est trop génial! Il faut que tu nous expliques comment utiliser ce géant et comment battre les autres géants. Yeah. Je vous dévoilerai tous les secrets que convoite votre cœur, jeune Forban. Bon, d'accord, toi aussi, t'es génial. Bien joué, Bria!
Tu devrais utiliser Scratchatron pour affronter Ward. Ça va être nos matchs les plus importants de tous les temps. Détends-toi, Jet. On est 3 sur les 4 joueurs en demi-finale. Il y en aura forcément un de nous qui passera en finale. Oui, et comme tu vas battre Ward, c'est sûr que l'un de nous se qualifiera pour le grand championnat d'Akedo. D'accord, mais revenons-en aux géants. J'ai compris comment on fait pour les jouer, mais comment on les bat alors? C'est simple, il faut s'accrocher fermement à leur armure et Isseo, Moussaillon, sabrez-leur la poitrine. Envoie-moi dans l'arène, Forban. À l'attaque, Split Strike. Armure en vue, Marraine douce. Oh, trop mignon. Trop allergique. Jet? C'est un monde virtuel, il n'y a pas d'allergie. Quand vous l'avez délesté de son armure, matelot, frappez-le à nouveau à la poitrine. Et c'est le Speed Strike. Et on peut mettre les voiles. Wow! Accroche-toi, championnat. On arrive. Ce soir, nos joueurs disputeront deux matchs de qualification pour le prestigieux championnat d'Akedo. Tout d'abord, Jay contre Cube. Oh là! Arrête de faire le malin, c'est un match très important. Faire le malin, ça attire les spectateurs. Alors faites chauffer le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Tu vois ce qui arrive quand on se soucie plus des spectateurs que du combat. D'accord, j'arrête de streamer et je commence à dépoter. Super ultra méga giga transforme de la licorne trop puissante. Cub, je t'avais dit de te concentrer un peu sur le combat, pas de me mettre la pâtée. Le prochain Split Strike gagne le match. Désolé, Cub, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant dans ce tournoi. Et ce sera moi. J'arrive pas à croire que j'ai perdu contre un mauvais joueur. Je suis pas... Jet Ski, t'es passé pro. Cette journée devient de plus en plus cool. Bizarre, j'ai un nouvel abonné. Allez, viens, on va voir le match de Bria. Bria, t'as fait tes prières? Ward, je t'ai terrassé en fanfare la dernière fois qu'on s'est vu. Eh ben, je crois que le public réclame un rappel. Bria, la combattante du dimanche qui n'arrive même pas à mater un primate. Géant contre géant, ça devrait être fun. Pour moi. En avant, Scratch. Contourne-le et retourne-le. Ouais. Arrêtez un peu. C'est terminé, Bria. Laisse tomber. Pourquoi? Pour que tu puisses célébrer ta victoire avec tes soi-disant amis? Tu me fais de la peine. On s'en fiche d'avoir des amis. Moi, je suis là pour gagner. Tu n'as vraiment aucun cœur, Ward. C'est quoi la suite? Tu vas voler tous leurs guerriers comme tu l'as fait avec les miens? Si ça peut m'aider à gagner. Allez, Bria! Tu vas y arriver! Ici, c'est moi la star. Et pas cette bande de moins que rien insignifiant. J'ai gagné! J'ai gagné! Direction la finale! C'est bon, allez-y, vous pouvez m'acclamer! Hé! Où est-ce que vous allez? J'ai gagné! Je suis désolée qu'on n'ait pas pu aller ensemble en finale, Chet. T'en fais pas, Bria! Je vais faire ravaler à Ward sa fierté! Qu'est-ce qui se passe, là? Mon ordi est cassé ou quoi? Il dit que j'ai des milliers de quebonnets. Il dit vrai! J'ai diffusé notre match sur ta chaîne! Allez, il est grand temps d'en finir avec Ward! Voici le moment que vous attendez tous, le dernier match de qualification pour le grand championnat d'Akedo. Finaliste, entrez dans l'arène et attention, prêt, à l'attaque, Split Strike. Ce soir, un seul guerrier réussira à
se qualifier pour participer au prestigieux championnat. Est-ce que ce sera Jet le néophyte? Ou est-ce que ce sera l'un des joueurs les plus tristement célèbres d'Akeno, Damien Ward? Les joueurs ne peuvent pas accumuler plus de 15 points au total dans leur équipe. Alors Jet et Ward n'auront droit qu'à un géant et un guerrier ordinaire chacun. Alors tu vois les choses en grand? Très bien, mon guerrier arrive à pas de géant. Attention! Prêt? À l'attaque! Split strike! Oh, yeah! Ouais! Fais-le tomber de haut, Scratchatron! Qu'est-ce qu'il y a, Ward? T'as plus envie de faire ton matou vif? Viens là, petit. Viens chercher ton split strike. Split strike pour Ward! Jet n'a donc plus qu'un seul guerrier en jeu, mais c'est son préféré, Jax Lee! Allez, Jax, tous ces combats, tous ces split strikes! Tous ceux qui nous ont cherchés et qui ont trouvé la défaite. Tous les exploits qu'on a accomplis ensemble, c'est ce qui nous a menés là où on est. Ça, tu l'as dit. Je vais régler son compte à ce tonk. Bla, bla, bla. Hé, les ratés, vous voulez bien arrêter de parler, que je vous mette la pâtée? Oh, oh, je vais prendre un malin plaisir à lui aplatir son affreuse tête de géant. Ouais, ok. Mais vu sa taille, t'as le droit de viser légèrement plus bas. Est-ce que t'es un orc? Ou bien un porc? Allez, fais un effort, brute épaisse. Blitzstrike! Tu te souviens de lui, Jet? Glitchblade a fait mordre la poussière à ton Chux la dernière fois. Oui, mais ça, c'était avant que Stormstrike nous apprenne ce petit tour de passe-passe. Je suis vaillant. Je suis Turbo Chux. Prêt à l'attaque, Blitzstrike. La destruction enclenchée. Qui est-ce qui mord la poussière maintenant? Allez, ressaisis-toi, Glitchblade. Tu as été créé sur le même modèle que Chux. Mais n'oublie pas que toi, tu as eu droit à ma petite amélioration spéciale. On va lui faire tourner la tête. Blitzstrike! Ouais! Allez, Jet! Plus qu'un dernier split strike et ce sera terminé. Pour toi, oui. Arrête de tricher, Ward. Non, c'est pas moi qui triche là. Je triche jamais, moi. Allez, Ward, ça suffit, arrête ça. Tu fais bugger tes guerriers et tu fais bugger nos guerriers. Ah, t'as même essayé de faire bugger le jeu tout entier pendant la mise à jour. Non, c'est pas ce que j'essayais de faire. Tu ne comprendras jamais toute l'ampleur d'Akedo. Moi, j'essayais seulement d'aider. C'est ça, oui. Maintenant, il est temps d'en finir. Turbo Fury! La destruction enclenchée! C'est un double split strike! Alors, tu as enfin réussi, Akedo. Tu as déchaîné les éléments de la tempête de puissance. Quelle soirée de folie!
au championnat d'Akeno. C'est une invasion viking à lui tout seul. Il a une énorme hache pour réduire ses ennemis en miettes. Axel! Face à lui, un ninja qui se déplace comme une ombre, mais va faire des étincelles. Nightblade! Prêt à l'attaque, Split Strike! Allez, vas-y! T'attends quoi pour envoyer le Split Strike? Jet, tu fais quoi là? T'as conscience que c'est pas vraiment toi qui les contrôle, pas vrai? Ouais. Je le sais, ça. Mais un jour, moi aussi, je serai dans cette arène et je gagnerai ce tournoi. Moi aussi. Et quand j'y serai, je peux vous dire que j'utiliserai pas un ninja pour affronter un viking. C'est une erreur de débutant. Tout le monde sait que la force brute bat largement la vitesse. Statistiquement parlant, Nightblade fait deux fois plus de dégâts que l'autre. Ha! T'as vu ça, Bria? C'est exactement ce que je disais. Blitzstrike! Nightblade est déclaré vainqueur! Des millions de joueurs s'affrontent, mais un seul d'entre eux peut devenir la plus grande légende d'Akeno! Akeno! Ouais! C'est exactement ce que je te disais. D'accord. T'avais raison, Bria. Tu dis quoi, Cub? J'entends rien à cause de la foule en délire qui acclame le ninja statistiquement supérieur. D'accord, ça va. T'avais raison, Bria. T'as toujours raison. Statistiquement parlant, c'est vrai. Allez, assez rigolé. Maintenant, il faut passer au niveau supérieur. Venez. Mon vieux, t'es toujours avec nous? Je crois qu'il a été déconnecté. Je lui envoie un message pour qu'il nous retrouve dans le hall. Maman! T'as éteint la connexion Internet? Désolée! Je voulais seulement être sûre que tu finisses ton repas. Délicieux! Ah, si t'es succulent! D'accord, mais n'oublie pas... Non, t'inquiète! Ah, désolée! C'est l'heure du repas dans le pays où j'habite. C'est le matin chez moi. Ça fait des heures que je devrais être au lit. Tu préfères dormir ou enchaîner les victoires jusqu'au championnat d'Akeno? Gagné, compte sur moi. Tout ce qu'on a à faire, c'est atteindre le rang d'élite pour y arriver. On est encore au rang d'amateur. Enfin, sauf Jet, lui, il n'est même pas encore amateur. Ça va pas durer. En route vers le tournoi. Jet, tu vas adorer ça. Je travaille sur une nouvelle entrée en scène. Ah, cool. J'ai trop hâte de voir ça, Chuck. Par la menthe, la vipère et le singe. Peu importe comment tu te bats, je vais te faire souffrir. Viens, je t'attends si tu veux te battre. Il est temps de leur donner un aperçu de la préhistoire, Tailwhip. En effet, je ne vais pas me contenter de leur faire mal. Je vais les écraser comme un bulldozer. Mira el héroe luchador, Loco Grande. C'est parti, Shreddy. Je ne suis pas un ours très bisounours. Orogo Koto! Hucho! Wouhou! Hucho!
Speed Strike! On est arrivé en finale, Chux. T'es prêt à affronter un clown géant qui s'appelle Crack-up. Fleet Strike! Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi! Allez, Chuck! Il ne nous reste plus qu'un Fleet Strike et on aura gagné! Hey, j'ai une blague à te raconter! Comment on efface le sourire du visage d'un clown? J'en sais rien. Dis-moi comment on fait. Oh, elle était nulle, ta blague. Ouais, beau travail, vieux. C'est pas juste. C'est impossible que j'ai perdu. Tu as forcément dû tricher. Hein? Tu veux dire qu'on peut tricher à Akedo? Il faut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Il joue pas à Akedo depuis assez longtemps pour savoir comment tricher. Quoi? Tu sais comment tricher, toi, Cub? C'est-à-dire que... Non, il ne sait pas. D'ailleurs, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de tricher. Je te préviens, c'est loin d'être fini, gros nul. Qui est-ce que tu traites de gros nul? T'as pas vu ou quoi? J'ai une manette d'argent. J'ai travaillé dur pour la gagner. Bravo, tu as réussi, Jet, t'es monté d'un rang. Et tu sais ce que ça veut dire quand on monte d'un rang? On va au marché! À chaque rang que tu montes, tu as droit à un nouveau guerrier. Alors, lequel tu vas choisir? Tu devrais en choisir un très résistant, pourquoi pas Pride Earth, ou alors un guerrier qui frappe fort comme Buster Bling. C'est un guerrier légendaire. Il faut être au minimum au rang pro pour l'avoir. Alors lequel vous conseillez pour des amateurs en herbe comme nous, hein? Hyperlock inflige 2 points de dommages en plus contre certains combattants. Burnout aussi inflige des dégâts bonus. Une fois, il a essayé de sauter par-dessus 60 camions à moto. Il n'a pas réussi à en sauter plus de 10. Ensuite, il a rebondi sur les suivants avec sa tête. Qu'est-ce que t'en dis, Chux? C'est vrai que j'ai quelques idées pour mon second. Ton second? Ce sera peut-être toi le second du nouveau guerrier de Jet. T'inquiète pas, Chux. Ce sera toujours toi mon guerrier préféré. Oh! Regardez-moi ça, le kung-fu allié et son tricheur de maître. Quoi? T'as un problème avec moi? Ouais, je veux ma revanche. Et cette fois, on jouera sans tes coups fourrés de tricheur, sale, gros nul de tricheur. Hé, hey, j'ai jamais triché. Qu'est-ce que tu dis de ça? On se bat et quand je t'aurai vaincu à la loyale une deuxième fois, tu me donneras ton clown. Pas parce que je le veux, mais pour que j'aie plus jamais à vous affronter à nouveau. D'accord. Et si je gagne, tu vas me donner Chux. Non, Jet, arrête, fais pas ça. C'est un wardien. C'est l'une des plus grosses équipes d'Akedo. Et aussi l'une des plus malhonnêtes. On va y arriver. Jet ne sera jamais d'accord. Prêt, à l'attaque, Split Strike, marché conclu. Quoi? Je prends la relève maintenant. Ward? Qu'est-ce que tu fais là? Il est dans mon équipe. Et comme il vient de parier un de nos guerriers, il faut que je m'assure qu'il ne va pas le perdre. Quoi? Mais c'est pas toi que j'ai accepté de combattre? T'es au moins au rang... Pro? Oui. Alors il vaut mieux être sur tes gardes. Je vais bien. C'est rien qu'un poulet en caoutchouc.
Je vais bien régler son compte. Quoi? Comment il fait ça? Qu'est-ce qui se passe là? Je m'attendais pas à ça. Et dire que j'ai été obligé d'abîmer mon futur guerrier? Ah, c'est nous qui allons t'abîmer! T'es prêt, Chax? On va broyer ces clowns! Ah, c'est terminé, Ward! Je vais tâcher! Hein? Jet? Maman! Bria, Cub, dites à Ward que ce n'est pas terminé. Prêt à l'attaque, Spitfrack! Coup de poing de champion! Quand tu veux, Jet, t'as qu'un mot à dire et je t'envoie le Nunchaku Fury! Laissons-le s'épuiser, Chux! J'attends le bon moment pour attaquer! Oui, et si ça ne marche pas, t'auras qu'à t'enfuir, comme toujours! Pourquoi on n'arrête pas de me dire ça? Je suis pas du genre à m'enfuir devant l'adversité! Ouais! Nunchaku Fury! Split Strike! Jet, il était au rang d'élite et en plus il avait un guerrier légendaire. Tu t'attendais à quoi, sérieux? À gagner. Si j'arrive à battre des joueurs mieux classés que moi, je monterai plus vite de niveau et je pourrai enfin aller au championnat du monde d'Akedo. Mais il m'a déconcentré en m'accusant d'avoir fui contre Warm. C'est ma mère qui a coupé la connexion Internet. Qu'est-ce que je pouvais y faire, moi? Il essayait juste de te provoquer. Il fallait l'ignorer. Ou alors? Tu n'as qu'à faire un match retour explosif et moi je le diffuserai en direct. Oui, mais il a un guerrier légendaire. Il y a un événement spécial ce week-end. Les joueurs débutants peuvent essayer tous les guerriers d'Akedo. Limité à un combattant à la fois, résultat non garanti. Trop bizarre. Trop poilu. Trop doré. Oh. Admirez ma lumière, ressentez ma chaleur et craignez ma brûlure. J'ai le feu dans mon cœur et dans mes coups. Waouh, c'est tellement profond. C'est un guerrier légendaire. Et si jamais vous l'énervez, attention à vous! Il se bat à l'aide de ses pieds. C'est une technique de combat différente. T'es sûr que tu ne veux pas t'entraîner avant, Jet? Jet? Prêt à l'attaque, Miss Frank! Inspiration, acceptation, destruction! Les ombres n'éprouvent aucune pitié. Fais un effort, Hayashi. Je sais que t'aimes les coups de pied, mais la situation est grave, il ne faut pas lever le pied. Un murmure d'acier, un hurlement de douleur et le silence assourdissant de la défaite. Allez, allez. Hinohashi! Attaque du murmure de l'acier! Split Strike! Oh, qu'est-ce que je fais là? Tu fais décoller mon audience comme une fusée! Vas-y, Jet, continue! Tu n'as pas l'habitude du style de combat d'Hayashi. Ça demande du temps. Je n'ai pas le temps. Plus qu'un Split Strike et c'est la défaite. Essaye au moins de te mettre en phase avec lui. Il doit se calmer pour être plus efficace. Parle avec lui. Ouais, d'accord. C'est vrai que j'ai peut-être voulu aller trop vite, mais il est encore temps de travailler ensemble. Tu as raison. Nous devons nous battre main dans la main. D'accord, soyons unis. On le laisse venir à nous et ensuite on attaque. Esquive! Attaque! Prêt à l'attaque! Split Strike! Esquive! Attaque! Esquive! Attaque! Hinohashi! Ouais! Tu vas y arriver, Jet! En avant! À l'attaque! Il est temps de mettre le feu! Main dans la main! Hinohashi!
Split Strike! Tu n'as pas quelque chose à me dire? T'as gagné, bravo! Et... Oh, j'avais tort. T'es pas un fuyard et un lâche. Ouais! Alors ça, c'est ce que j'appelle un coup de maître pour mon audience. Je savais que tu pouvais y arriver, Jet. Enfin, en fait, je croyais que tu voulais utiliser un guerrier trop puissant pour toi, mais... finalement, tu t'en es bien sorti. Je sais, j'aurais dû m'entraîner plus dur, mais dès que j'aurai monté de niveau, je choisirai Hayashi, c'est sûr. Toi, moi, Chucks, on va être imbattables. Oui, nous ne faisons qu'un. Oh, vite, vite, venez voir. Regardez, j'ai réussi à passer de 30 abonnés à... 32. T'es trop fort, Jet. Viens, on recommence. Vas-y, Jet, à toi de dire le slogan. Prêt à l'attaque, Split Strike. Furie d'enfer. Ne t'inquiète pas, Tailwhip. Encore un Split Strike et c'est dans la poche. Oui. Est-ce que tu as remarqué que ce que j'ai là n'est pas une matraque ordinaire? C'est une queue, arrachée à un ennemi glorieux mais néanmoins vaincu. Je l'utilise pour honorer son esprit de guerrier. Et aussi pour faire ça, le fléau du Jurassic! Split Strike! Bravo, Ria! Ouais, Ria, c'est bien toi? Maddy? Tiens, salut! Je suis contente de te voir. Tu es toujours... avec... Non, j'ai quitté la team de Ward il y a des mois de ça. T'avais raison, c'est vraiment des gens pas nets. Ça, je te le fais pas dire. Ward a volé certains de mes meilleurs guerriers. Les miens aussi. Mais je vais les récupérer, tu vas voir. Je viens avec toi. J'ai toujours le mot de passe de l'ordinateur du repère de Ward. On va pouvoir s'infiltrer dedans et récupérer tous nos guerriers. Je sais que Cub et moi, on te connaît à peine, Maddy, mais... t'es vraiment sûr de toi? C'est infesté de sbires de Ward! Faites-moi confiance! Ward force toujours son équipe à l'encourager quand il joue. Ils vont bientôt partir. Vous verrez, il n'y aura plus un chat. Je ne sais pas comment te remercier pour ton aide, Maddy. Je suis super contente d'être tombée sur toi tout à l'heure. Je suis désolée, Bria. Sincèrement. Désolée? Pourquoi? Salut, Bria. Oh, Ward! Tu n'as jamais quitté la team de Ward, pas vrai? Non, tu as raison. Et toi, tu as toujours quelque chose qui m'appartient, Bria. Tailwhip! Quoi? T'as oublié? Quand tu fais partie de ma team, tous tes guerriers deviennent mes guerriers à moi. Ça tombe bien, j'y suis pas dans ta team de naze. Et j'ai eu Tailwhip bien avant de faire ta connaissance, je te signale. Tu sais quoi? On va régler ça tout de suite. On va faire un combat de rue, mais avec les règles officielles. D'accord, mais laisse-moi utiliser mes anciens guerriers. Et quand je t'aurai vaincu, je les garderai. D'accord. Mais c'est pas contre moi que tu vas combattre. Tiens-toi prête. On a le droit à 3 guerriers et pas plus de 15 points. Ah. Prête à l'attaque, Split Strike! Qu'est-ce qu'il a, ton Mizuchi? Miss Slizer l'a légèrement amélioré. Il est plus puissant et il a 2 katanas au lieu d'un seul. Et maintenant, il s'appelle Twin Fang. Vous avez vu ses stats? Je vais avoir besoin de Thunderwind! Je suis Thunderwind! Je déchaîne la foudre et je déchaîne le vent! Oh ouais! Split Strike! Ouais, wow, Bria! Bravo, Bria! Par quel genre de sorcellerie a-t-il pu faire ça? Split Strike! Et d'un, plus que 2. Comment battre ces 2 épées? Peut-être avec un coup de poing de shutdown? Mode recherche et destruction activée. Split Strike, confirmé. Cible localisée. Début de l'élimination. Terminé. Split Strike!
Split Strike! C'est ton dernier guerrier! J'ai gardé le meilleur pour la fin. Très bien, tu l'auras voulu! C'est maintenant ou jamais! Ça y est, t'as plus d'amélioration! En route pour le Valhalla! On a les mêmes stats, c'est plus qu'une question de compétence. Mon dinosaure va t'écraser, m'a dit le docus. Bien joué, Bria! Je récupère ses guerriers, mais il me manque toujours mon vieux Pride Heart. Ah, elle a gagné, Ward, dans les règles de l'art. D'accord. Ouais. Mon ancienne équipe me manquait trop. Alors les gars, est-ce que vous êtes prêts à l'attaque Split Strike? Ton arête de poisson ne fait pas le poids face à un valeureux guerrier à la lame d'acier. Prêt à l'attaque Split Strike. Vas-y, Wildside, fais-lui boire la tasse. Merci, vite, concentre-toi. T'inquiète, je gère. Jack, attention, il va te... Tu t'es battu avec une grande fougue et un cœur d'acier, guerrier Utuba. C'est une défaite honorable pour toi. Tu aurais dû voir venir le coup de cette tête de corne à des kilomètres. Il s'est passé quoi? Ça va, arrête d'en rajouter. J'ai du mal à me concentrer ces derniers temps. Ce gars est peut-être juste trop fort pour moi. Hey, je te jette pas la pierre. Je peux t'appeler Jetski? Non. Écoute, Jetski, faut que tu te détendes un peu. T'es encore plus angoissé que Shreddy et moi quand on a commencé à combattre. On a perdu pas moins de 15 combats d'affilée. On était complètement stressés pour tout et rien. On est tombé si bas qu'on a dû refaire... Oh, les tutoriels. Mais depuis qu'on vous a rencontré, les choses ont complètement changé. Akedo est devenu beaucoup plus amusant. Et... regarde où on en est maintenant. On a fini par devenir la fameuse équipe de choc qui enchaîne les victoires et que les fans adorent. Oh, et dire que ce gars a encore deux guerriers en réserve. Son Pride Heart a encore des tonnes de points de vie. Et en plus, il a déjà infligé deux Split Strike à mon Hyperlock. Trois Split Strike maintenant. Ça arrive à tout le monde de ne pas être au top de sa forme parfois. C'est l'impression que j'avais quand j'étais dans l'équipe de Ward. Leur façon de jouer était tellement... sérieuse. Ça gâchait tout le plaisir de jouer. Je savais que je devais partir même si c'était pas facile. Et crois-moi, ça a été dur. Puis j'ai rencontré les deux andouilles que vous êtes. Et j'ai compris que le plus important dans ce jeu, c'est de s'amuser. C'est vous, ma vraie équipe. Akedo est un jeu et rien de plus, Jet. Si tu ne t'amuses pas, alors c'est que tu ne joues pas de la bonne manière. Ah ouais, tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Ah, je m'entraînais dans ma pièce. Et puis tu t'es connecté pour la première fois et t'as dit « Hey, Chaxley, tu veux être mon meilleur pote, faire plein de super combats et qu'on devienne les plus grands champions d'Akedo ?» Et je t'ai dit « Wouhou, un peu mon neveu !» Et toi t'as dit « Prêt, à l'attaque, Split Strike !» C'était trop top. Ouais, t'as raison. Je crois que j'ai pris ce jeu bien trop au sérieux sur ce coup-là. Merci. Allez, il lui reste encore trois guerriers. T'es prêt à faire tournoyer tes Nunchaku? Prêt à l'attaque, Split Strike! Peu importe comment tu te bats, je vais te faire souffrir. Prêt à l'attaque, Split Strike! Oh,
C'est parti! On va montrer à ce magicien de pacotille comment on fait pour jouer à Akedo. Il faut être fou pour faire de l'humour en plein milieu d'une bataille. Eh bien, figure-toi que les fous vont te faire tâter de leur kung-fu. Ce gars-là prend le jeu bien trop au sérieux, si vous voulez mon avis. Attention, et home run! Je ne suis pas un ours, très bisounours. Est-ce que je te fais mal? Tu voudrais que je te fasse un bisou magique? Ou alors je peux te proposer un petit coup de tronçonneuse? Salut spectateurs d'Akedo! Bienvenue sur CubNet, je me présente, je suis Cub. Aujourd'hui, un épisode spécial sur les attaques sournoises, avec en invité, moi. Sans rire. Allez, Shreddy, attaque sournoise! Sans grande surprise, j'ai gagné. Maintenant, faites péter les pouces bleus et surtout n'oubliez pas, Cubonnez-vous! Match suivant! Tu sais que c'est le 27e match que Cub dispute aujourd'hui? T'as l'air bien au courant de l'emploi du temps de Cub, dis donc. Tu sais, c'est parce que je suis Cubonnée à CubNet. T'es sérieuse? Alors, tu fais partie des 30 personnes qu'ils suivent? 32, et ça monte encore. Vous allez voir. Maintenant, regardez, je vais vous montrer ma technique infaillible pour attirer les Cubonnées. Salut les fans d'Akedo! Vous êtes sur... CubNet! Aujourd'hui, le top 10 des speed strikes les plus mortels de tous les temps! Ha! Génial, hein? Mais j'en ai que 9 pour l'instant. Alors vous allez m'aider à trouver le plus mortel de tous les speed strikes! Oh oh! Vous en dites quoi? Compte pas sur moi. Je te rappelle que je t'ai déjà aidé avec les autres Split Strike. Ha! Alors je compte sur toi, Jet. Regarde la vidéo pour t'en inspirer. C'est parti! Le top 10 des Split Strike mortels. Starbreaker est une as du coup de pied. Elle vous plaque et vous roule dessus. Vous allez rouler un patin à ses sommelles. Et d'un! Lâchez-vous dans les commentaires. Battle Max n'a pas un cœur en or, mais il a une masse d'armes. Et de 2 Split Strike. Restez avec nous pour le troisième. Solo de batterie. Voici la terreur des mauvaises langues. Oh, c'est bon comme ça fait mal. Explosez le compteur de likes. Le plus loco des luchadors. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez, on accélère. Et de 6, 7, 8, Split Strike. Ce qui fait 9. Voilà, c'est là que j'en suis dans ma vidéo. Mais j'ai fait jouer mes relations pour organiser le prochain match pour toi. Ok. Je sais que tu veux monter très vite les niveaux pour aller au championnat. Et tu gagnes plus de points quand tu bats des guerriers plus forts que toi. Alors... Appuyez sur Start pour commencer. Screenshot, mais c'est... un des plus puissants guerriers d'Akedo? Exact. Prêt à l'attaque, Split Strike! On peut le faire. Chargement, douleur. Oh! On a tous déjà cassé notre manette de rage. Avec Screenshot, c'est la manette qui va vous casser. Allez, Chucks, il nous faut 2 Split Strike pour gagner. Je sais que Screenshot est très fort, mais toi, tu es encore plus fort, Chucks. Relève-toi. Ah!
Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je suis devenu Turbo Chax. Tes stats ont augmenté. On peut le vaincre avec un seul Speed Strike. Turbo Vitesse. Speed Strike. Ouais, on a réussi. Le top 10 des Speed Strike. Wow. En exclu sur Cobnet. Il n'y a qu'un seul plus grand guerrier d'Akedo, et c'est... moi? Quoi? Mais... il s'est passé quoi, là? J'en sais rien, mais quel spectacle! Jet, je veux une interview exclusive demain. Turbo replay de Turbo Chax. Ça... ça change toute la donne. C'est fini, la rigolade. Ramenez-moi ce Chax! Salut les Cubsters, vous allez assister à un super combat d'Akedo, Chax contre Tail Whip. Mais la grande question c'est, est-ce qu'on va revoir Turbo Chax? Tu vas faire revenir Turbo Chax, pas vrai? Parce que cette vidéo m'a rapporté des tonnes d'abonnés et mes 37 nouveaux abonnés en veulent encore. Je fais de mon mieux. Moi aussi je veux voir Turbo Chax, essaie de faire un combo. Attends, je vais te faciliter la tâche. Nunchaku Fury x 3. Pas de Turbo Chax cette fois. Tu veux qu'on réessaye? Attendez, il faut que vous jetiez un œil à ça avant. Quelqu'un a publié ce truc dans mon fil d'actualité. C'est tiré d'une des premières versions démo d'Akedo. Oh, est-ce que c'est Storm Strike? Non, c'est un fake. Storm Strike est un mythe. Non, c'est un guerrier ancestral. Il a des tonnes de pouvoirs trop cool et il sait plein de trucs. J'ai entendu dire qu'il est encore plus vieux que le jeu. Et comment ce serait possible? Je t'écoute. Ben, s'il y a bien une personne qui sait comment avoir un Turbo Chax, c'est sûrement lui. Un entraînement avec Storm Strike? Comment retrouver le guerrier le plus puissant de tout Akedo? On dirait une quête annexe! Trop bien! Vous avez vu la vidéo de Chax qui se transforme en Turbo Chax? Retrouvez-moi ces noobs et remportez ce Chax pour moi. Choisissez n'importe quel guerrier. T'es sérieux? Comme dans un buffet à volonté? Oh, moi je veux Fly Swat! Il a trop de points de vie! Je vais opter pour Nightblade. Ses stats sont moins bonnes, mais c'est lui qui a gagné le dernier championnat. Allez, au travail, battez Jet et ramenez-moi Chax! Alors, pour trouver Storm Strike, il faut débloquer tous les succès dans le bon ordre et avec un guerrier différent à chaque fois. Ou alors, on peut emprunter le raccourci vers son arène cachée si on trouve un homme avec une barbe violette parce qu'il n'y a qu'un drôle d'oiseau au marché pour bien nous guider. Non, ça veut rien dire. Désolé. Oh, t'as une idée, Chax? Moi, mon truc, c'est la bagarre, pas résoudre des mystères. Tant mieux! Parce que l'heure est venue de te battre contre nous, Jet. On suit les règles du combat de rue. Un contre un. À vrai dire, c'est pas le moment, là. Tu veux déjà abandonner? Je le savais. J'abandonne jamais. Le truc, c'est que là... Bria, Cub, vous vous en chargez? C'est Cub si c'était fait, mon vieux. Si vous voulez Jet, il faudra d'abord nous passer sur le corps. Prêt à l'attaque, Split Strike! Combat de ninja! Night Blade contre White Rage! Je bouge comme un murmure et frappe comme un cri. Si tu plonges longtemps ton regard dans le brasier te regarde aussi. Les ombres n'ont aucune pitié, et moi non plus. Combat préhistorique! Tail Whip contre Flight Swat! Le fléau du Jurassique! Prépare-toi à déguster ta défaite, cher cousin. Flight Swat? C'est un guerrier ultra rare? Où est-ce que tu l'as eu? C'est un cadeau de Ward. Il est trop génial, pas vrai? Avec ses 8 points de vie et tes 2 points d'attaque, il faut qu'on lui inflige 4 split strikes pour gagner. En effet, je vais te faire retourner à l'âge de glace! Split strike! Quand on m'aperçoit, il est déjà trop tard. Split strike! Je me sens dans une forme jurassique! T'inquiète pas, Tail Whip. On a encore des points de vie. Et puis, c'est toi le plus évolué, ne l'oublie pas. L'un de nous deux va s'éteindre aujourd'hui. Et ce ne sera pas moi. Coup de langue! Quand j'en aurai fini avec toi, tu vas t'apitoyer sur ton dinosaure!
Tu es tombé dans mon piège. Tu viens de te faire squatomiser. Éteint. Plus qu'un à battre. Ensuite, ce sera au tour de Jet. Et son Turbo Chuck sera enfin à nous. Quoi? Tu veux dire ce Turbo Chuck? Il est ici? Où ça? Pas de soucis, mais fais gaffe. Tant mieux, parce que j'ai trouvé un homme avec une barbe violette au marché et il a un drôle d'oiseau à la main. On va peut-être réussir à trouver Stormstrike. Je suis peut-être préhistorique, mais c'est toi qui vas t'éteindre aujourd'hui! Ultimate Blitzstrike! Tailwhip remporte le combat! Priya déchire! Oui, mais attends un peu, tu vas voir la pâtée que je vais lui mettre. J'en peux plus d'attendre, je veux combattre! Battle Max? Oh, cool! Je vais faire appel à mon chevalier Pride Heart pour ce combat. Au nom de... Vous avez vu ça? Au nom de Miss Litter, prépare-toi à mourir. Ah oui, là je le vois bien, oui. Annule le combat, vite! Combat annulé! Abandon d'un joueur! Et voilà, adieu ma série de victoires. Et je crois savoir qui se cache derrière tout ça. Ward! Qu'est-ce que t'as fait à mon Pride Heart? Depuis que tu me l'as volé, il fait ce genre de truc bizarre. Il est peut-être défectueux, le mien va très bien, mais on peut toujours se faire un combat pour tester. Pas question! Si tu me crois assez bête pour retomber dans ton piège, tu... C'est d'accord. Hein? Quoi? Bah quoi? J'ai passé ma journée à attendre un combat. Règle officielle, 3 contre 3, 15 points maximum. Alors prêt? Je parlais à... Peu importe. Prêt à l'attaque, Split Strike! Loco Grande! Prêt au combat? Hein? Pourquoi il commence avec Mizuchi? Il a les stades les plus basses de la team. Or, on peut l'achever en 2 Split Strike! Prêt à l'attaque, Split Strike! Alors, qui c'est le favori? Quoi? Non mais sérieux? Ton guerrier peut muter et augmenter ses stats? On s'était mis d'accord sur les 15 points. Split Strike! Hein? Ouais, taché! Split Strike! Ce 2 épées ne valent rien à côté de ma hache, ni même à côté de mes doigts. La victoire sera mienne. Blitzstrike! Cheers! Cub, attention! Blitzstrike! Je crois que tout repose sur toi, Shred. Je n'ai qu'une envie, les réduire en poussière. Prêt à l'attaque! Blitzstrike! À la Shreddy! Blitzstrike! Les stats sont avec nous, Shreddy. Allez, plus que 2 split strikes et on gagne le combat. Encore 3 pour lui. Non mais quoi? C'est pas possible, pas encore. Split strike! Vous les toxiques! Il me semble que tu n'as plus qu'un combattant. Alors, tu t'inquiètes? Si je m'inquiète, non. Tu penses sûrement être le meilleur guerrier du circuit. Beaucoup ont essayé, mais aucun n'a su surpasser Miss Slither. Prêt à l'attaque! Blitzstrike! Stupéfiant! J'espère que vous appréciez ma petite création. Avec une seule et unique morsure, j'ai le pouvoir de transformer n'importe quel guerrier. Assez discuté, Slither. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'autant d'attention, si tu vois ce que je veux dire.
Je me ferai un plaisir d'utiliser ma magie sur toi, mais malheureusement, il se trouve que tu n'as pas assez de force. C'est l'heure du câlin. Erreur. Tes guerriers ont muté deux fois et tes stats sont passés au-dessus de 15. Tu n'es qu'un tricheur. On pourrait te dénoncer à l'administrateur pour ça. Mais allez-y. Hé, hey, regarde où tu vas. Tu l'as mordu? Pas assez pour le transformer, mais peut-être suffisamment pour en faire l'un des nôtres. Prêt à l'attaque, Speed Strike! Destruction totale. Tu penses que mes rollers feraient tâche dans ta face? Ouais, à l'attaque, Split Strike! Oups, désolé. Allez, vas-y, Starbreaker. Tu roules, ma poule. Préparation de commentaires péjoratifs et déstabilisants, développement en cours. Ça veut dire que tu vas me vanner. Oui, tu es aussi performant qu'un processeur première génération rouillé de chez OT-58A. J'ai un gros combat en un contre un contre ce type super agaçant et je finis toujours par me faire avoir par ses high kicks, j'en ai trop marre. Ce serait pas Cub le type? Non, vous le connaissez pas. Mais en tout cas, il me faut absolument un guerrier avec de meilleures stats si je veux pouvoir le battre. Oui, mais les stats, ça fait pas tout, tu sais. À mon avis, t'as juste besoin d'un guerrier avec une bonne arme. Écoute un peu Cub, il dit ça pour toi. Allez faire un tour sur ma dernière vidéo pour tout savoir sur les armes d'Akedo. Il fait juste la pub de sa chaîne Cubnet, une fois de plus. C'est bon, elle a déjà des milliers de likes, celle-là. Bon, d'accord, 7 likes, mais c'est quand même 233% de plus que d'habitude. Mon arme préférée, tu dis? Mon cerveau, sans hésiter. Oh, et cette queue que j'ai pu arracher à l'un de mes nombreux rivaux. Une hache en titanium forgée sur une étoile filante. À vous, les studios. Un poulet au plastique. Une sinistre. Elle carbure à l'émotion. La tristesse, mais surtout la furie. Une lame noble qui m'a gracieusement été offerte par la dame de la flaque. La dame du lac plutôt, non? Non. Trembler devant mes flammes de l'enfer. Mais oui, voilà! Avec une arme à chaîne, je pourrais enfin esquiver ses super high kicks. Et puis il peut bien utiliser ses guerriers du feu s'il veut. Mes flammes iront plus loin dans tous les cas. Et sinon, c'est qui? Personne, juste un type que je connais depuis super longtemps. Let's go! Furie d'enfer! Respire, accepte, détruis! Prêt à l'attaque, Split Strike! Tu peux bien te cacher derrière ton masque, Bress, mais tu ne pourras pas échapper à mon super kick des enfers! Mon masque ne cache que la vérité que tu refuses de voir, mon ami. Nous ne sommes en aucun cas amis, Vress. Je n'ai d'affection que pour ma petite sœur, cette femme si douce et innocente. Douce et innocente? Tu ne sais donc rien de ta propre sœur? Ça, c'est bien vrai. Les grands frères, ils connaissent rien de toute façon. Tu peux me dire ce qui se passe, là, hein? Pas vraiment. Mais le prochain Speed Strike sera gagnant. C'est toi, petite sœur. Petite sœur? Eh oui, mon cher frère. Il se trouve que j'ai tout comme toi hérité des chères flammes de notre grande famille.
Et quelle fougue tu as au combat. Je ne t'aurais jamais imaginé si forte et si puissante. Tout ce que je voulais, moi, c'était te protéger. Me protéger, hein? Tu en as plus besoin que moi. Ah, je crois que t'as perdu, bro. Ah, yes. Ouais, bien joué, Sorette. Attends, mais le gars, c'était ton frère. Waouh, mais le délire. Faut que je poste ça sur le Cubnet. Tu sais quoi? Je pense que j'aurais jamais réussi à le battre sans toi et ta vidéo. Allez, dis un truc du genre. Cubnet est la meilleure chaîne vidéo qu'Akedo ait jamais portée. Disons que il se peut que ce soit pas tout à fait ce que je dise. J'en étais sûre. Du coup, un petit combat? Prêt? À l'attaque, Split Strike! 1, 2, 3, Freddy vient à toi. 4, 5, 6, il se peut qu'il rugisse. Vas-y, Tailwhip, montre-lui ce qu'on sait faire. Léo du Jurassic. Blitzstrike. Ah, yes. Encore une petite victoire et je pourrais officiellement dire que cette journée est trop géniale. Oh, vous vous rendez compte? On sera tous les trois pros. Akido sera tout à nous après ça. Enfin, à moins que t'arrives à te louper, Jet. Non, mais t'imagines l'enfer. Mais bon, ça n'arrivera pas, hein, parce que tu vas gagner. Et te surclasser. Allez, viens, Chucks. Je suis sûre que l'or nous ira au teint. Tu vas tout déchirer. Et puis d'abord, si Cub peut le faire, c'est que ça doit pas être si compliqué. Yeah. Dwight. T'es sérieux, là? Je ne savais pas que vous aimiez autant perdre chez les Wardians. Alors comme ça, t'as décidé de prendre un Chucks toi aussi? Super original. Il vaudrait mieux que ça fonctionne. À l'attaque! Prêt? Split Strike! Je vais! Je crois que tu veux plutôt dire je m'en vais. Me revoilà! Dans tes rêves, mon gars! Split Strike! Faut pas faire le clown avec moi. Je vois que tu innoves un peu, Dwight. Dommage que ça ne suffise pas. Blitzstrike. Oh, mais tu ne sais pas du tout ce qui t'attend. Tu seras sans nul doute le perdant le plus séduisant que j'aurais vu de la journée. Oh, c'est dingue, j'allais justement dire la même chose. Ouais, à l'attaque, Blitzstrike. Par la montre religieuse, la vipère et le singe. Effrayant. Il me plaît, ce gars. Mais qu'est-ce que... Je retire ce que j'ai dit, tu n'es pas séduisant du tout, finalement. Enclenchée. Yeah. Dwight a modifié Chucks et ses stats sont juste dingues. Et ses armes, on en parle? Un seul coup et... Tu voudrais pas me vanter, mais ton truc de transformation de Chucks là... J'ai un peu testé avant toi la nuit. Blitzstrike! On n'a pas le choix, notre seule chance de gagner et de passer pro, c'est que t'actives le mode turbo, Chucks. Oh, si c'était possible, je me serais sûrement pas gêné pour le faire. Ma destruction activée. Je déteste qu'on se répète. Désolé. Attention, allez, non. Blitzstrike. Jet, non! Laisse Cub, y a plus rien à faire. Il est obligé de finir le match. Désolé, les gars. Ouais, à l'attaque, Split Strike! Cible en vue. À nous deux. Le mot perdre ne fait pas partie de mon vocabulaire. Split Strike!
Et dire que je pensais que passer pro allait être difficile. Oh. Mmh. Hey, tu actes tes guerriers pendant un match officiel? C'est de la triche. T'as bien essayé d'activer le mode turbo de ton chucks, toi? Ça revient au même? Pas du tout. Jet n'a pas bidouillé quoi que ce soit pour ça, contrairement à toi. Oh, à d'autres. Aucun guerrier ne passe en turbo comme ça. Stormstrike à la rigueur, et encore, c'est ce qu'on dit, mais... Ça suffit. Faut y faire, Jet. Le meilleur chucks a gagné. Et si j'étais toi, je commencerais à m'y habituer. Parce qu'on va tout faire pour t'empêcher de passer pro. Et puis, être amateur te va si bien. Allez, viens. N'écoute même pas ce débile, Jet. On trouvera un moyen de détruire son espèce de Franken-chucks et je t'assure que tu passeras pro en moins de deux. J'ai déjà ma petite idée. Et pour ça, on doit trouver Stormstrike. Rappelle-moi en quoi combattre Thunderwind en mode entraînement pourrait nous conduire à Stormstrike. Thunderwind est là depuis la Kaido première génération. Il a subi toutes les mises à jour possibles, il doit tout connaître du jeu. Ce qui veut dire qu'il sait où Stormstrike se trouve. Si vous avez soif de savoir, je vous mènerai à la fontaine. Mais pour cela, la victoire de ce combat d'abord, il faut que j'obtienne. Oh, donc il ne nous dira rien à moins que Cub gagne. Je n'épargne que les ours en peluche. Que la foudre s'abatte. Blitzcrack ! Je vois une porte imposante et vêtue d'une culotte à bambin ravageur, aux écailles, aux éclaboussures, ne peut résister la pestilentielle odeur. Quoi ? Mais ça n'a même pas de sens ! Hey, c'est pas de ma faute s'il a été codé pour les jeux d'énigmes à la base. Lâche-moi, tu veux. T'as l'air d'avoir besoin d'un câlin. Mais un coup de tronçonneuse sera sûrement plus d'effet. Blitzstrike ! Celui qui garde Stormy est puissant et redouté. Vous trouverez un monde entre les mondes quand la barbe violette enfin sera partagée. Alors, si on veut trouver Stormstrike, passer Chucks en mode turbo et remporter le championnat, tout ce qu'on a à faire, c'est porter une barbe violette. On peut peut-être essayer de l'ajouter à nos avatars, non? On serait si beaux tous les trois avec une barbe violette. Oh, c'est trop mignon. Et donc, Sherlock? Peut-être que c'est un jeu de mime et il faut imiter le gars de l'affiche. Quelqu'un a du poulet? Crack-up a un poulet en plastique. Ça ferait l'affaire? Ah, ça va 3 secondes, les devinettes. Je veux mon combat maintenant. Ah. Destruction du bonhomme à la barbe violette! Non, Cub, attends! Fais pas ça! Wow! Attends, est-ce qu'il ne viendrait pas de fusionner avec le gars à la barbe violette? Si, et ça faisait totalement partie de mon plan. Ne me remerciez pas. Oh. Wow! On a réussi à atteindre la matrice! Méfiez-vous, les gars. Thunderwind nous a quand même parlé d'un garde qui serait apparemment puissant et redouté. Vous vous souvenez? Un peu comme... lui? Oh, regardez-moi ça comme il est mignon! Ah. Oh, le bambin ravageur en culotte! Thunderwind avait raison! À nouveau! D'accord, mais n'empêche qu'on sait absolument rien de lui! C'est un bébé puant! Oh, ça, y a pas de doute. Mais c'est quoi son nom? Eh ben, c'est ça, justement. Bébé puant. Il a carrément besoin d'un bain. Je suis sûre qu'il déteste l'eau. Thunderwind avait ajouté que l'odeur ne résistait ni aux écailles, ni aux éclaboussures. Mais oui, les écailles! Wildtide, bien sûr! Parce que là, c'est plus possible. À toi, Wildtide! Prêt à l'attaque, Speedstrike! Le combat pour le bain! Jet, il faut vraiment qu'on batte ce bébé puant si on veut arriver jusqu'à Stormstrike. Ou si on veut mettre Chucks en mode turbo, ou si on veut gagner le championnat d'Akedo, ou si... Oui, j'ai compris. Je dois me concentrer. Ce qu'il faut, c'est que Wildtide esquive le marteau et qu'il colle à ce bébé 2 Splitstrike pour le faire sortir. Splitstrike! Oh. Ah, dégueule! Pauvre Wildtide! Oh,
Jet, les éclaboussures, asperge-le. Il y a de grandes chances qu'il déteste l'eau. Allez, Wildtide, il est l'heure que bébé prenne son bain. Vous m'avez donc trouvé. Maintenant, il vous faut m'affronter. À vrai dire, Monsieur Stormstrike, nous voulions simplement vous poser quelques questions et... Seuls les plus vaillants auront l'honneur d'interroger Stormstrike. Ouais, à l'attaque, Stormstrike! Alors, on a enfin réussi à trouver Stormstrike, et lui, tout ce qu'il veut, c'est se battre? Hey, c'est Akedo, non? Nous autres guerriers, c'est en se battant qu'on se dit bonjour. T'es sûr de toi, Jet? Chux contre le plus grand de tous les guerriers d'Akedo? Oh, t'as regardé ses stats? Plus de dégâts, deux fois plus de points de vie? Je sais que j'ai des guerriers plus forts que lui, mais je vais le faire avec Chux. On a commencé ensemble et on finira ensemble. C'est ça l'amitié. Oh, il est fichu. Alors, tu crois que tu es assez vaillant? Laissons-la tomber! En décider. D'accord. Mais chez moi, la météo annonce un ciel couvert avec des risques de split strike. Nunchaku Fury. Est-ce que tu entends la foudre? Elle annonce ta défaite. J'arrive que tu ne t'attendais pas à ça. Encore un ou deux coups comme ça et... Tu n'es pas assez vaillant. Hé, hey, où est-ce qu'il va? Comment je vais avoir Turbo Chux? Et comment on va arrêter Ward? J'ai besoin de lui. Je suis même pas sûre que quelqu'un soit vraiment capable de maîtriser Stormstrike. Hé, hey, j'en ai pas fini avec toi. Chux a encore des points de vie et j'ai besoin de ton aide. En effet. Mais Stormstrike combat uniquement pour ceux qui n'ont plus la force de se battre. Il s'est passé quoi, là? J'en sais rien, mais ce truc-là ne me dit rien qui vaille. C'est pas nous qui avons fait ça, pas vrai? Non, je crois pas, mais j'ai comme l'impression que la fissure est de plus en plus grande. Les commentaires s'affolent sur Cobnet. Certains disent que c'est un virus, d'autres une mise à jour, mais personne ne sait. Tout le monde se déconnecte pour ne pas prendre de risques. Sage décision. Il paraît que ce genre de truc peut nous faire perdre notre sauvegarde, notre rang, nos guerriers, notre XP, enfin tout, quoi. Bon alors, on se déconnecte? Et pourquoi ils se déconnectent pas, eux? J'en sais rien. Slither peut faire bugger des guerriers. Qui sait quelle pagaille elle est capable de semer quand le jeu est vulnérable comme ça? Hé, Ward! Je te défie, alors te défile pas! T'es sérieux? Tu veux vraiment faire ça maintenant? T'as mieux à faire, peut-être? Figure-toi que oui, justement. Oh, dommage! Et moi qui comptais miser mon Turbo Chux dans ce combat? Et moi, j'ai une meilleure idée. Tu vas miser tous tes guerriers. Comme ça, quand je t'aurai battu, tu n'auras plus rien. Et tu ne viendras plus jamais me courir dans les pattes. Tu m'entends? Plus jamais. Prêt à l'attaque? Speed Strike! Ils sont nombreux à avoir essayé, mais personne ne peut arrêter Miss Slither! Quoi? J'écoutais pas. Tu veux bien me dire ça en face? Kung Fu! Tiens bon, Chux, on va y arriver. Tu sais très bien que c'est couru d'avance. Tu vas tout perdre. Pourquoi tu t'obstines? Quelqu'un doit protéger Akedo. Et puis, comment je vais pouvoir te battre et devenir le champion d'Akedo si tu détruis le jeu? Stormstrike? Il existe vraiment? Ouais, il combat uniquement pour ceux qui n'ont plus la force de se battre, et on dirait bien que c'est mon tour. Sois vaillant, mon ami.
Turbo Chuck. Il n'y a qu'un seul plus grand guerrier d'Akedo. Génial! Maintenant, tu veux bien dire à Storm Strike de revenir pour régler ça? Oh, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Ah! Qu'est-ce que... Mais c'est quoi ce truc? Vous croyez qu'on a cassé le jeu? Non! 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 C'est pas vrai! On a cassé le jeu! Ah!